C'est mardi dernier en après-midi qu'avait lieu le 24e tournoi de golf de la Chambre de commerce qui avait pour but d'offrir aux entrepreneurs l'occasion d'échanger et de partager les idées, les préoccupations ainsi que leur vision de l'avenir afin de favoriser la croissance de la MRC de Montmagny pour les années à venir. Il s'agit incontestablement d'une mission accomplie pour la Chambre Magny-Montoise puisque la formule 14 trous en départ simultané était complète avec 112 inscriptions. C'est d'ailleurs sous la coprésidence du député libéral Norbert Morin ainsi que du directeur général de la Caisse des Jardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer, Christian Fournier, que le tout s'est déroulé. Pour le président de la Chambre de commerce, Frédéric Corriveau, cette activité est d'une importance capitale pour le rayonnement de la région. Ça démontre le dynamisme de la Chambre parce que les gens se sont pas fait prier cette année pour venir participer à ce tournoi-là. On en est vraiment fiers parce que depuis plusieurs mois, la Chambre de commerce tente de rallier les gens d'affaires, la communauté autour d'un projet, une vision commune de développement pour la région. Puis je pense que ça fait boule de neige de plus en plus. Dans le fond, on a été capable de rallier deux présidents d'honneur cette année à notre organisation, à notre cause, à notre tournoi. Quant au député Morin, il n'avait que des bons mots pour la Chambre de commerce locale. Pour moi, c'est un service essentiel. Ouais. Puis si tu vois le nombre d'industriels, de commerçants et de gens d'affaires qui sont ici parce qu'ils ont confiance à leur Chambre de commerce, tu sais pourquoi? Parce qu'eux, ils travaillent dans le shop puis ils n'ont pas le temps de faire de la représentation puis dans les bureaux. Donc, la Chambre de commerce, ils dédient leur pouvoir à la Chambre de commerce pour faire les représentations qu'il faut, pour défendre les dossiers qui nous appartiennent. L'exemple de l'IRM, les chambres de commerce de Chaudière-Appalaches ont dit que c'était un besoin pour Montmagny. Oui. Donc, c'est un exemple. Puis une chambre de commerce, il faut qu'elle soit forte de ses membres. Et un tournoi de golf, ça rassemble tout le monde. C'est rassembleur. C'est rassembleur. Par la suite, un 5 à 7 avait lieu, et ce, toujours pour échanger et consolider les liens entre les entrepreneurs de la région. La Chambre de commerce de Montmagny est ainsi plus que jamais en mode action pour stimuler le développement dans la MRC. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny.